Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, c'est le final, la finition du DP de la Yumi que j'ai fait un petit avis, on va dire, et explication de mon absence. Donc là, je vais vous montrer comment ça donne. Je l'ai déjà encadré et je vous dis mon avis après. Donc voilà comment elle est en cadre. Elle donne hyper bien. Donc mon avis, c'est toujours un avis positif. C'est vrai que il me manquait des couleurs. Une couleur. Entre autres, le 842 que j'avais en réserve, donc au final c'est pas très grave. Donc voilà, et il m'en reste des autres couleurs, il m'en reste, voilà, toutes les couleurs sauf la couleur en question. Donc c'est vrai que faudrait peut-être mettre un peu plus de couleurs dans des couleurs parce que là je vois bien pour cette couleur là il m'en reste que 4. Donc je savais pas si il m'en restait ou autre. Là il m'en reste pas beaucoup aussi. Après heureusement que j'en avais assez. Là aussi il en reste pas beaucoup. Celle-là aussi. Celle-là aussi. Donc voilà, donc celle-là aussi. Celle-là aussi. Donc voilà, il n'y a pas beaucoup de quantité vraiment beaucoup. Après, il y a des quantités quand même beaucoup pour les blancs. Et tout ça. Même pour les marrons, il y en a beaucoup. Même pour le noir, il y en a beaucoup encore. Mais une bonne qualité et très content du résultat. Donc voilà. Donc moi je pensais que les détails de là et d'en bas me donneraient pas forcément bien vu la taille. C'est une 30 par 40. Et je pensais que c'était trop petit. Même pas, ça donne hyper bien. Donc même de près, je vous le mets comme ça, même de près. Si vous voyez, certes dans le blanc il y a un petit peu de détails, un peu d'écart, mais c'est pas voilà, c'est pas très grave. Donc voilà. Donc voilà pour mon avis. Bon, ça sera une petite vidéo toute courte, mais c'est pas très grave. Dans peut-être une semaine ou à peu près. Vous aurez plein de vidéos qui vont arriver. Donc voilà. Donc je vous dis bonne journée ou bonne soirée. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous.